Voici Kfar Saba, une ville de 100 000 habitants située dans le centre d'Israël. D'après le Bureau central des statistiques, c'est ici que les Israéliens vivent le mieux. Le classement, publié ce mardi, se penche sur les 16 plus grandes villes d'Israël, se basant sur 42 critères, aussi divers que l'espérance de vie, l'obtention d'un poste correspondant aux études effectuées, la perspective d'une promotion professionnelle, la propreté, l'accès à Internet ou encore le logement. La ville de Kfar Saba se hisse en tête sur plusieurs critères. 30 sur 42 obtiennent un score supérieur à la moyenne. Si vous recherchez la tranquillité au cœur du pays, c'est ici qu'il faut s'installer. Deuxième au classement, Ramat Gan et ses 159 000 habitants. La ville des jardins renferme des îlots de verdure, parfaits pour se sentir proche de la nature, mais à seulement quelques encablures du cœur de la bouillonnante Tel Aviv. La ville arrive en tête sur le pourcentage de déchets recyclés, plus de 43%. De même, c'est à Ramat Gan que le sentiment de discrimination est le plus faible du pays, avec 18,6%. C'est la ville de Rehovot qui vient clôturer ce podium. Également située dans le centre du pays, à une vingtaine de kilomètres de Tel Aviv, elle doit son essor à l'agriculture et à la science, avec la présence du fameux Institut Weizmann. C'est d'ailleurs à Rehovot que le taux d'employés considérant pouvoir obtenir une promotion professionnelle y est le plus élevé, 52,4%. Tel Aviv se classe en quatrième position. On constate que près de la moitié des ménages consacrent plus de 30% de leurs revenus mensuels au logement, contre seulement 29,5% au niveau national. A l'inverse, la capitale du pays arrive en queue de classement. Jérusalem recense 35 critères sur 42, en dessous de la moyenne au niveau de la qualité de vie. De même, les villes de Bat Yam et Ashdod obtiennent 29 critères dans cette situation. Mais quels que soient les critères, pas de doute, la diversité du pays vous permettra de trouver votre bonheur.